Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour la suite de ce let's play de StarCraft 2 Wings of Liberty. On reprend exactement là où on en était, j'espère que le micro est bon, hein, j'en ai marre de le régler toutes les deux secondes parce que j'ai vraiment du mal avec ma voix, hein, c'est ma voix qui pose problème, donc c'est super chiant. Alors soit vous m'entendez en super aigu et pas de grave, soit vous entendez que du grave et que du grave. Voilà, donc soit l'un soit l'autre, je sais pas comment faire. Pour bien le régler, j'ai du mal à mettre la barre pile au milieu. Bon, enfin bon, c'est pas grave, on continue la suite, ce qui est normal, on continue la suite. Donc on passe ça, là on vient de détruire tous les trains, les 8 trains qui passaient, avec des véhicules de tarés, hein, super rapides à détruire. Là, c'est une musique qui passe. Nouveau projet de recherche, forteresse, d'accord, donc laboratoire. On va voir ce qu'il nous propose. Alors, Janssen qui nous parle, on s'en fout complètement. Alors, d'accord, alors j'ai quoi? Forteresse planétaire, c'est pas intéressant. Et ça, c'est... intéressant ça. Forteresse planétaire, c'est pas assez utile. Allez, on recherche. On recherche, on est des fous. Et ça, c'est quoi ça? Hercule, transport énorme qui peut déployer les unités embarquées quasi instantanément. Ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa. Et ça, c'est des chiens. Est-ce que je vais les utiliser? Moi, je pense pas. On va faire le Hercule. Alors on retourne à l'armurerie d'abord, on va voir s'il n'y a pas des améliorations possibles. Véhicule. Gagne plus 1 de portée, ça c'est bien ça. 50 points de vie en... gagne 50 points de vie en plus. De toute façon vu que ça c'est à faire... Ah, à chaque fois je me fais avoir, j'en ai marre. 75 000 on achète, et après infanterie... pas besoin de ça. Pas besoin de ça. 40% plus large. Maraudeur ralentit plus les unités dans leur cible. Ça, ça peut être pas mal ça. Et ça, c'est le maraudeur gagne. On prend ça. Allez, hop. Voilà. Hop. Maintenant, on va aller voir ce qu'il nous propose à la passerelle. Non, c'est au bar, pardon. Donc, les mercenaires. Voyons voir ce qu'il propose. Rien de nouveau. Bah, parfait. On se casse. Allez, on continue la mission. Alors, on a que ça à faire, hein, donc on continue. Allez, go. Fou, je commence à avoir mal au poignet. La mort, principe, la pierre rouge, j'ai pas du tout envie d'y aller. Parce qu'elle est vraiment longue. Trafic, qui est suffisamment éloigné, conserver l'indépendance. On commence. Ah, parti. En plus, c'est de la recherche Protoss. Un truc que je n'ai pas amélioré depuis le début, j'ai que du Zerg pour le moment. Allez, go. Traquenard. Alors je sais pas du tout où ça se passe, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. J'espère avoir un bon son pour ma voix, c'est con que j'ai pas de retour. Ah, saleté de split payant. Ah, c'est vraiment la merde ça. Bon, allez, continuez. Ah d'accord, on commence directement comme ça. 2-3 unités, d'accord. Hop. Bien les gars, on a un accord avec Mira Anne. 2, 3, 4, mettons-nous au boulot 5. Et récupérons cette tête de camp. D'accord. Notre but, bien sûr, c'est de sortir le plus d'unités possible. Le plus rapidement possible. Et on doit faire quoi? Signer un contrat de mercenaires avec Orion. D'accord, il soit là. Là. Ça fait des années que les pirates désossent des vaisseaux ici. D'accord. On devrait pouvoir trouver rapidement assez de matières premières pour payer Mira. Ah, c'est cool ça, de matières premières pour augmenter. Cool. Trouver les reliques Protoss de contrebande recherchées. Donc ça doit être les trois là. Ça doit être sympatoche, d'accord. Bon, je vais rechercher ça. On va continuer de construire des VCS. Ça, ça peut être sympa, Tocha. Ah ouais, mais il me faut du gaz Vespen. Du gaz Vespen. On met. Ça sera prêt. On va sortir des unités d'abord. Ah, d'accord. Faut pas trop que je sorte non plus de... On va sortir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités en plus et je vais aller chercher les reliques Protoss d'abord. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde non plus sur la planète. Hein. Ah ouais, il y a vraiment du boucan ici. Ces déchiqueteuses produisent en permanence des débris récupérables. Et go, à l'attaque. Oh, on va récupérer ça. C'est bien ça, c'est du débris illimité ça. Alors avant de continuer là-bas, je vais... Ouais, en fait, faut que je le rase le gars, hein, faut que je le tue. D'accord, donc on va faire ça. Hein, c'est la mission. J'ai laissé un petit cadeau pour toi. Hop là.
D'accord, donc ça c'est la folle. Ah, cool. C'est quoi ça déjà? Les vautours. Ça lâche des mines. Bon, c'est des motos quoi, ils disent des bécanes, donc c'est des motos. On va pas s'embêter avec ça. D'accord, ici. Ici. Oh. Un vaisseau poubelle, c'est sympatoche. Ici. Ici. Voilà, on met quelques petites mines aux entrées. Hein. On va pas s'embêter avec ça. Hein. C'est sympatoche, ça. De pouvoir poser des mines comme ça, c'est vraiment sympa. Oui, mauvaise nouvelle, faut que tu me construis des baraquements. Eh ouais, tu dois travailler. Je suis vraiment désolé, mais faut que tu travailles. Hein. C'est dans ton contrat, je suis vraiment désolé. Bon. Ouais, j'ai compris. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Bon, là, mon but, c'est de sortir le plus d'unités possible. Hop. On va aller attaquer en haut. On va l'attaquer directement. Tant qu'il a pas une planétarie bidule chouette, j'attaque. La base est attaquée, quoi, déjà? C'est quoi cette blague, là? D'accord, faut que je construise un bunker, quoi. D'accord, tu veux que je construise un bunker? Pas de soucis, je le construis, ton bunker. T'inquiète pas, je vais pas me faire attendre pour le construire. Tiens, viens par là, toi. Bunker, viens par là, le bunker. Après, tu retourneras faire ton travail. Pas assez de minerais. Je m'en fiche. Allez, go. On va attaquer. Je vais récupérer tout ça. On va récupérer ça. Ça, voilà, comme ça on a beaucoup d'argent. Hop, on récupère eux. On les récupère, on construit le bunker. On attend le premier vaisseau. Qui devrait pas aller. Devrait pas être très très long. Hop, on plie tout ça. Dès que j'ai le premier vaisseau, j'attaque sa base en haut. Hein. Je le dis, comme ça c'est fait. Je vais juste laisser un petit soldat là-dedans. Voilà. Là on va pouvoir attaquer. Hop, on attaque. On n'attend pas, on attaque, sinon il va... Regardez, il est déjà à 2000 de minerais. Pas cool, je sens que prix du contrat, 6000. D'accord, bon, on va aller attaquer maintenant. Hop là. On attaque, on s'embête pas, on attaque. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque. C'est la guerre après tout, hein. Faut attaquer. Hein. Voilà, on attaque. Ici, on sort d'autres unités pour aller protéger ici. Ah, c'est ça les reliques Protoss. Venez par là, vous allez chercher ça. J'espère qu'ils peuvent. Ah, faut casser ça. Bon, ils vont le casser. C'est pas un souci, hein, je m'en fous pas du tout pour eux. Voilà, ça c'est détruit. Je vais garder cette unité, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, on va récupérer les reliques Protoss. Parce que c'est utile ça, il me les faut de toute façon. Donc on va tout récupérer. Là ça part produit, d'accord. On ramène là-bas. Viens par là, toi. On attaque. Voilà, rentrez, 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 rentrez. Et si vous me filiez un coup de main? Voilà, bon, maintenant j'ai plus de soucis d'attaque. J'ai mon bunker, il devrait résister à leur attaque, hein. On va pas se mentir. Il devrait résister. Bah allez, il a résisté, hein, c'est ce que j'avais prévu. Hein, pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Hop, on va récupérer ça là-bas. Parce que j'en ai besoin, tout simplement. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Et il me reste plus qu'un à trouver, je vais aller le récupérer juste après. D'abord, on va lui dire à lui de venir chercher ça, de récupérer ça. Ça, de ce... Alors, après avoir fait ça, tiens, retourner chercher du minerai, mon petit. Non. Hop là, on récupère ça, ça... on récupère tout ce qui traîne. En gros, on récupère des débris pour devenir riche. Voyez, on le double, hein, j'ai pas plus d'unités que lui. Aussi, j'ai plus d'unités que lui, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas besoin de plus. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est les trucs Zelnaga, là. Voilà. Et attaquer. Hop, on continue, on va peut-être reproduire un peu derrière en côté militaire.
Ouais, côté militaire, ça peut être pas mal de reproduire là. Surtout que j'ai une bonne avance là. Alors, c'est à dire que là il a une base ou un truc du style. Alors, on va monter. Voilà. C'est bien ce que j'avais dit. Il a une base ou un truc du style. Je ne me suis pas trompé. Ah, par contre, là, si mon tank il tombe, je vais pas aimer ça. Là, je le fais rentrer. Je vais le faire rentrer ce tank. Voilà. Savoir qu'il faut pas trop monter trop vite parce que si je monte trop vite, ça va me faire chier parce que je vais avoir une un problème de pognon après. Ce qu'il faut que je trouve absolument. Ah, ça c'est pas bon signe ça. Ah si, je peux les détruire, d'accord. Rentre à la maison, toi, on va te faire réparer. Voilà. On va te réparer, toi. Voilà, hop, vous venez par là, on va continuer d'avancer. Où est-ce que ça peut se trouver cette relique à la con? Je crois que là, je suis peut-être allé un peu trop loin. Ah, quoique non, ça passe. Non, non, ça passe pas. On va les faire revenir ici, ça passe pas du tout. D'accord, la base est attaquée. J'ai un petit cadeau en cours de livraison. Oh bah t'inquiète pas, moi aussi j'ai un petit cadeau en cours de livraison. Moi aussi j'ai un petit cadeau. Regarde, regarde ce qui tombe là. Hein, tu vois, hein, c'est beau. Oh, oui, c'est beau toutes ces unités qui tombent du ciel. Bon, deux médecins, plein de soldats. Là je suis obligé d'utiliser ça. Grosse sortie d'argent là, hein, obligé. Je vais chercher ce qu'il y a là. Champ de minerai épuisé déjà. Waouh, il n'y a vraiment pas beaucoup de pognon. Ouais, je vais sortir toutes les unités à part celles qui sont là. Obligé. Retourne miner, toi. Voilà, bon, j'ai récupéré assez de pognon pour le rattraper. Maintenant, je récupère ça, ça. Voilà. On va les faire retourner là-haut. Où est-ce que ça peut être ce truc à la con de Xel'Naga là? Là, il a une base, il a une deuxième ici. Champ de minerai épuisé. Alors, les champs de minerai épuisés, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de minerai, c'est pensé pour. Donc. Oh, le gros robot, il est classe. Regardez ça, Book. Sortez-moi de là. Bougez-vous, j'arrive. Oui, chef. Hop, on repasse devant, ça, c'est pas un gros souci. Moi, ce qui m'intéresse réellement, à mon avis, c'est là le truc Xel'Naga, là, c'est là-haut. Je sais pas, je le sens venir gros comme une maison que c'est là-haut. Bon, les champs de minerai épuisés, c'est pas très grave ça. Que ça se trouve, c'est juste à côté de chez moi. Hein. C'est possible aussi. Hein. Même si je pense plus que c'est là-bas parce que c'est éloigné. C'est ça, moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est éloigné. Ça se trouve, c'est juste. Non, c'est vraiment là-bas. Hein. Je vais pas récupérer ce qui est là. Je vais aller chercher ce qui est là. Je vais aller nettoyer là-haut. Alors on va tout casser, voilà, et on tire dessus. Toi recule. Laisse taper les unités qui sont juste devant. Ah, je me suis fait casser mes unités. C'est pas cool ça. Je suis en train d'attaquer là-haut. Bon, bah, on attaque, hein, on continue, on s'arrête pas en si bon chemin. Non, 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 on s'arrête pas en si bon chemin. Je me fais défoncer à la base, mais c'est pas très grave ça. Je peux peut-être. Non, je peux pas. De toute façon, mes VCS ils servent à rien. Alors autant dire ce qu'il en est. Ils me servent à rien donc. On va en faire sortir deux. Ici on va en refaire sortir plein. Voilà, ici c'est pareil, allez, on les fait avancer. J'ai pas du tout confiance en ce que je fais ici, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai perdu toutes mes unités là. Ouais, bon bah on va pas s'embêter à aller là-haut, hein. On va pas du tout s'embêter à aller là-haut. Voilà, on passe par là. Attaquez-vous à ce médecin, les VCS. Tuez-le. Tuez ce médecin. Parfait. Tuez-le. Vous êtes de vrais combattants. Attaquez. De toute façon, je gagne plus d'argent, donc. Je vais t'en mettre deux sur chaque truc.
où je sais très bien où je peux mettre. Hop, allez. Toi là-bas. Ça, ils vont récupérer du pognon. Je ressors des petites unités pour gagner quand même un peu de. De pognon. Voilà, on va laisser les deux VCS là. On va envoyer les autres à un endroit où j'ai pas récupéré encore de. De pognon, donc c'est-à-dire là. Après, ensuite, on va leur dire là et là. Voilà. Là, je vais remonter le pognon, je suis obligé. Hein, donc. Je vais pas m'embêter avec ça. Hop. Toi, tu sais pas quoi faire. Tu vas aller là-bas. C'est vrai qu'il y a un truc là-bas. Hop. Allez, va là-bas. Y a pas un truc automatique là? Non, y a pas de truc automatique. Ouais, comme quoi je suis un peu dans la merde côté unité là. Hop là, venez par là, vous. C'est vrai que côté pognon, je suis un peu dans la merde là. Un peu beaucoup dans la merde même. Faut que je remonte hein. Là, j'ai fait une grosse connerie d'attaquer ici, il faut vraiment que j'ai le contrat, sinon je suis mort. Hein. Pour que j'ai le contrat, je vais venir ici. Hein. Je suis obligé de toute façon de tarter cette base. Je suis obligé là. 150, 150, 150. Hop là, bon, on attaque. Hein. Hop là. D'ailleurs, on attaque. Je sors pas d'autres unités pour le moment, j'en ai pas besoin. Mon but là c'est vraiment de lui faire mal et de récupérer le plus de pognon. C'est vrai que là j'ai fait vraiment le con, hein. J'étais en avance. J'aurais dû garder mon avance au lieu de faire le con comme ça. Là par contre j'ai vraiment mal joué. Hein. J'ai très mal joué. Bah ça va, normalement je devrais remonter là. Hein. Je suis déjà en train de remonter assez facilement là pour le coup. Ouais, de l'aide, ça serait quoi de refus? Bah démerdez-vous, hein, moi j'ai pas que ça à foutre ici. Pas grave si je perds ces bâtiments tant que je gagne de l'argent facilement. C'est le plus important. Voilà, il récupère ça, toi aussi, ici, voilà. Alors là, mon but, c'est vraiment de faire les fonds de cale, hein. Là, je suis obligé. Sans déconner, je suis vraiment obligé, là. Ouais, là, je suis vraiment obligé, ça fait vraiment chier en parlant de ça. Yes, qui me... Il est devant moi de pas beaucoup, hein, c'est ça le pire. Ouais, là je l'ai rattrapé, mais est-ce que j'aurai assez de pognon pour... Ah putain, en plus il était là le dernier truc. Non, je vais pas appeler de renfort parce que là je suis vraiment trop serré avec lui. On va détruire ces unités là. D'accord, il passe en haut. Va comprendre pourquoi. Ah non, d'abord on va récupérer le pognon, c'est le plus important. Le pognon. Le pognon au premier. Alors là je suis un peu dégoûté, j'ai très mal joué en fait. J'ai très mal joué, je suis vraiment désolé, j'ai joué comme une merde. Oh là. Je vais t'embaucher quand même. Non mais j'ai vraiment joué comme une merde, j'aurais pu terminer la partie en 2-2. Hein. Ah moi j'étais persuadé qu'il y avait un truc là-haut, hein. J'aurais jamais dû y aller. Espèce de sale petite, je vais te montrer comment je m'occupe des salopards de traître. En gros, oh, merde, j'ai détruit des bâtiments de mon allié. Merde. Ah, d'accord. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux le problème. Maintenant j'ai plein de ressources, ça va, je vais pouvoir sortir plein d'unités. Je vais pouvoir appeler plein de collègues. Eux ici apparemment j'ai l'impression que si je suis là ils sortent pas de trucs. C'est qu'une impression. Hein. Bon d'accord, bon on va sortir toute l'armée qui est ici. Hein. Donc eux on les fait voler. Ah ils peuvent pas voler eux. Oh merde, je croyais. Tant pis, je croyais qu'ils pouvaient voler. Hop, donc on sort toutes les unités. Hein, on va pas se faire chier. Hop. À part les tanks qui peuvent pas bouger. Alors, tout ce qui bouge on les prend. On prend tout ce qui bouge. S'emmerde pas. Hop là.
On vient détruire ce qu'il y a en bas. On va le détruire, hein, on va pas s'emmerder, hein, on va pas se faire chier. On va aller le détruire, on va aller protéger le reste de la base qui est là. Voilà, on va aller détruire ce qui est là. Bon, je me fais attaquer là-haut, c'est pas très grave. De toute façon, ils vont pas tarder à crever aussi. Allez, à l'attaque. Ah, t'en fais pas, la base est attaquée, je comprends. Je comprends ta tristesse d'apprendre ça, mais... Qu'est-ce que tu veux? Alors, je m'en fous un peu là qu'elle prenne cher cette base parce que j'arrive à la protéger. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, donc là on amène tout ça là. Sortez-moi de là. Voilà, 40 000 unités qui viennent d'arriver, parfait. Ah, bien sûr, ça m'a pas sélectionné ces unités là. Qu'est-ce que c'est chiant ça quand ça le fait? Voilà, parfait. Bon bah on continue. Un plaisir. C'est parti. Allez go, c'est parti. En gros, faut que je revienne ici. Mais j'avais. Ça va, c'était pas la base alliée. C'était vraiment l'ennemi pour gagner du pognon là. Ça va, je croyais que c'était un allié, mais en fait non, ça va. C'est toujours ennemi ici. Parfait. Pas besoin de plus d'unités, hein. Ça devrait le faire avec ça, hein, je pense. Hein. J'espère. J'espère que ça le fasse. Ah, attaque nucléaire, non mais tu vois. Ouais, juste pour le fun, on va rester là le temps que l'attaque nucléaire se fasse. Attention. Nucléaire. Wouhou. Attends, quand elle veut. Ouh. Ah, j'ai peut-être tué le... Ouais, j'ai dû tuer la personne qui devait... Ah non, regardez. Bon, vous l'avez pas vu, mais il y a une bombe nucléaire qui est tombée. En gros, c'est ça. Alors, détruire la forteresse mercenaire d'Orlan. Ouh là là. J'ai du mal à lire, moi. Paré et prêt à tout. Alors là, déjà, sur le contrat que j'ai perdu beaucoup d'unités. Hein. Ah si, y a des... Ah, il y a des trucs aériens. Bon, bah, YOLO, j'y vais. Je suis obligé. Ah si, j'ai de l'anti-aérien, ça va. Non, je croyais que j'en avais pas. C'est pour ça que je me dépêchais à y aller. Mais si, c'est bon, j'ai de l'anti-aérien. Bon, allez, YOLO. Hein. De toute façon, faut que je tarte au plus vite. Hein. Allez, détruit, détruit, détruit. Voilà. Que demander de plus? Que demander de plus? Faire une fleur à l'univers en te faisant disparaître, Orlan. Mais c'est peut-être toi dont j'aurai besoin la prochaine fois. Mira, Orlan, d'accord, mais pas Orlan. Occupe-toi de lui. Ça marche, Raynor. Je vais mettre ce serpent au frais pour toi. Je vais même le faire gratuitement. Parfait. Ben voilà, mission terminée avec au succès. Tu es 25 et demi avec des mines vautours, bah ça sera pas arrivé. Bon, sur ce, j'espère que cette mission et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, à aller faire un petit tour sur le site web. Et n'oubliez pas, jouer c'est aimer se divertir. Hey, ciao tout le monde!